fais un petit miaou. Ok, on va pas faire de miaou. Yo tout le monde, j'espère que ça allait bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Far Cry épisode 3. On va tout niquer, c'est maintenant, bing. Ah oui, c'est vrai, on en a là. Ah là, on a débloqué la nouvelle île du coup. On va tout niquer. Je sais pas c'est quoi ma mission. Le temps que ça charge. Ok. Parler à Juan. On va parler à Juan, hein, du coup. T'as des trucs à récupérer là, non? Je me considère comme un tueur de seconde main. Allez, Juan Cortés. Tu veux que je te fabrique les meilleurs supremos et que je te bricole des armes? Alors j'ai besoin d'uranium appauvri. Putain, mais lui, encore son uranium appauvri là? JPP. Ses réserves près des plus grosses armes de l'île. Ses canons anti-aériens. Quand t'auras trouvé de l'uranium, rapporte-le à mon bureau ou à un de mes associés. Si tu captures une base des FAA, je vais chercher l'uranium, c'est bon mon gars, j'ai capté. Il te donnera accès à mon inventaire. Et n'oublie pas, le grade apporte certains privilèges. Quand Clara aura eu la gentillesse de te promouvoir, on pourra te filer de meilleurs équipements. À condition d'y mettre les pesos, bien sûr. T'as toujours, ça parle de pesos, hein. Même en pleine révolution. Frère, je suis là, je galère avec les pesos, ça me parle de pesos, mon frère. Un petit conseil entre guerrieros. Amuse-toi un peu, putain. C'est bon, il parle trop, moi je vais me battre. Les gars, aujourd'hui j'ai fait des games de LOL, ça faisait 31 jours que je n'avais pas joué, je suis si heureuse, ça m'a trop bien. Ça me fait trop du bien. Cette sensation sera de courte durée. Ah, j'ai encore mon croco. Bébé. Ok. Y'a rien à récup là? C'est quoi ça? Oh putain, il m'a fait 3 suprémos, ce fou. Ok. Ah, merde. Ah, il me les fait payer ce chien là. Putain, j'ai pris les 3 suprémos comme un con, j'aurais dû prendre ça. Oh là là. Bon, je suis un peu teubé. On va se dire qu'on a besoin de tous les suprémos dans tous les cas. Oh, je suis un peu con là. Bon, c'est pas grave. Wesh Dorian, ça va quoi? Je peux pas casser la porte là? Ok. Mais gros, il a pas de force ou quoi? Pousse la porte, mon frère. J'ai pas joué à LOL depuis un an. Bah franchement, c'est mieux ainsi, je pense. Au moins ta vie, elle est... T'as une vie saine, je suis sûr que dans la vie tout va bien, y a rien qui peut se passer de mal. Enfin, rien de très grave en tout cas. Oh là là, mais là c'est une mine d'or. Hein. Je peux prendre un bateau? Bien sûr que non, Cédric. Ça va super et toi frérot? Ouais, ça va très très bien, franchement. Petit Far Cry là en détente. Ok. Non, je peux avoir un truc vraiment bien. Plaque militaire américaine. Ok, pourquoi pas. Je prends, hein, je suis. De toute façon, je suis une rapace, hein. Tout ce que je trouve, je prends. Hein. Moi, ça me dérange. C'est l'établi. Chance de tuer un jaguar. Je prends avec volontiers, hein. Avec grand plaisir même. De retour à Santuario. Ramenez toutes les armes, les balles et des recrues aussi. Castillo est surpris. Il faut garder l'avantage. Bienvenue chez Libertad, Danny. J'ai pas dit que je restais. Qu'est-ce qui presse? Tu m'inspires. Libérons Yara, ok? On va se battre là? C'est ça le truc? Moi je vais me battre, hein. Je vais battre des gros mecs. Castillo contrôle tout Yara grâce aux soldats, aux esclaves et Anton à la... Castillo? La capitale et sa forteresse. Si on prend Esperanza, on libère Yara. Le meilleur moyen du chemin, de remplir Castillo, c'est de toucher un maximum de bases des FND et des postes de contrôle. Oh, il y a du chemin, surtout, hein. On n'est pas à côté, hein. Esperanza et prendre Castillo à son propre piège. Je suis une grosse rageuse et j'assume sur LOL. Ah ouais. Pour unir la révolution et renforcer. J'adore quand c'est rage sur LOL. Ça, ah ouais, on voit les gens qui soutiennent ici. Hein. Pour se battre aux côtés de Libertad. Chacun d'eux sème le chaos dans une partie de l'empire de Castillo. Oh, j'ai la maxi bagarre, hein. Son cercle proche. À LST, les crevards d'envahisseurs comme McCain. C'est qui McCain? Siphonne nos ressources. McCain, c'est les potatoes, non? Défend le trésor toxique de Castillo. Admiral Benitez. Mais les légendes de 67 peuvent nous aider.
Ils se plantent dans la jungle sur les hautes montagnes de Yara. El Tigre, leur plus grand guerriero, t'attend à bras ouverts pour t'aider. Et ça fait combien d'heures sur ce jeu? Je sais pas, je pense 2 heures, 2-3 heures. Le centre des opérations de Castillo pour le Viviro, mais aussi celui de sa propagande, dirigé par sa ministre de la Culture, Maria Marquesa. J'ai de vieux amis qui peuvent s'occuper de notre campagne anti-propagande. Les Maximas Matanzas. Talia Ils ont été les voix de la contestation et peuvent convaincre les dissidents d'Iara de se battre pour Libertad. Ils ont disparu. On les a vus pour la dernière fois dans un fort de Balaceras. T'as encore faim, c'est Mais en fait, j'ai mangé mon tacos à moitié. À Madrugada se trouve je devais stream en vitesse. Un esclavagiste qui force José Castillo. Il y a trop de méchants, hein. En vrai, tant mieux. Hein. Parce que sinon, si ça se finit vite, c'est chiant, quoi. Il déteste les visiteurs. Mais j'ai des infos sur un mécano qui a un atelier à Costa del Mar. Il s'appelle Philly Barzaga. C'est leur point de contact. Oh, Philly. Philly le S. Si j'étais toi, je commencerai par Madrugada. Si on reprend le tabac avec l'aide des Montero... La map, elle est plus grande que celle de la Terre, là. Tu n'as qu'à trouver Philly le mécanicien. Je serai là à orchestrer des frappes ciblées de Libertad contre Castillo à travers Yara. Attends, c'est à moi de convaincre tous ces groupes de rejoindre Libertad? Comment? Facile. Tu les aides, comme tu peux. Ah ouais. Ça va être une longue aventure tout ça, là. J'envoie des troupes à ces groupes, c'est une invasion. J'envoie un éclaireur, je suis une naze. Mais avec toi, il n'y a pas de politique, ni quoi que ce soit. Tu m'aides. Libertad prend la capitale, on égorge Anton, on peut boire son sang, etc, etc. What the fuck, on peut boire son sang? On lui brise les os aussi? Je suis mort. Ouais, ouais. Oh là, quand tu regardes comme ça. Clara, fais attention. Traduction, Juan. Son accent. Clara essaye de le cacher, mais elle est née parmi les riches. Elle a abandonné sa famille de Vrayaran. Elle aura beau flinguer, saigner et boire avec nous, l'odeur de la bourgeoisie lui collera toujours à la peau. C'est quoi le rapport avec moi? T'as pas de parents, Danny. T'es pauvre. T'as que dalle. Quand on te voit, on pense pas politique. Oh le bâtard, wesh. Je suis mort. Elle se sert de moi. Si. Et en retour, tu te sers d'elle. Tu veux descendre Anton? Oui. Tu veux libérer Yara? Bien sûr. Mais il y a un truc que Clara osera pas dire et qu'on sait tous les deux. T'adores ça. Tu moi j'aime ça, le sang là. Pour les gens comme toi, les tripes nouées lors des embuscades, l'odeur du soufre qui brûle les narines, c'est... Ça là, moi j'aime bien. C'est fun. T'en fais pas. Ton secret est en sécurité. Let's go, allez, go baston là. Moi je veux bastonner des gens là. Ah, ils m'ont donné un nouveau fusil et tout. Vous avez vu mon amigo là? Attends, je peux changer mon amigo là. Oh! Oh! Mais il a trop de flow! Votre ami robotique subit moins de dégâts par balle et devient immunisé contre le poison et les flammes. Cette féline a clairement des goûts de luxe et récupère plus d'argent sur les cadavres des ennemis. Oh, mais je prends ça! Mais bien sûr, je prends ça! Ah non, je peux plus l'appeler parce que j'ai appelé Guapo. Ah, je vais prendre ça après. Ouais, je suis un fou, moi. Mais du coup, là, j'ai un fusil snipe normalement. Attendez. Il est où mon sniper de dingo là? Ah ouais, mais c'est cheaté là un peu. J'ai pas un 4 étoiles là? Magnifique la panthère blanche. Ouais, de ouf hein. Veste cybernétique. Ah mais putain, faut que j'attende en fait que les récompenses arrivent. What? Encore? Mais ça s'arrête pas en fait. J'ai hacké le jeu ou quoi là, what the fuck? Mais c'est des ennemis ça? Si tu butes des soldats, Castillo va envoyer ses forces spéciales à Attends, on va faire le mec qui rengaine. Tu sais pourquoi elles sont si spéciales?
Attendez, on a gagné trop de trucs là. Hein. Ils ont un entraînement. Attends, Arsenal, c'est où spécial et... Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'on a encore gagné? On a gagné une arme normalement. On n'a pas gagné d'armes? Ah, j'ai le seum là par contre. J'ai une arme principale un peu flingose quoi. Bon, après, j'ai un nouveau snipe. Je vais pas me plaindre. Ok, l'œil. Bon, en fait, ils veulent que je me transforme en. Non, en vrai, on va viser la moula, parce que c'est trop important la moula. Salut, salut, coucou Lita, comment ça va? T'inquiète. Ok, c'est bon. Nous, on rush, hein. Là, c'est bon, là. Là, on est paré. Faut juste qu'on change notre panthère, là, et après, on va être milliardaire, en fait. Hein. Avec tous les pesos qu'on va gagner. Ça va très très bien, je raconte de vous. Putain, le jeu il est beau quand même, il n'y a pas à dire. Hein. C'est quoi le début de Far Cry? C'est comme Red Dead un peu? J'ai pas joué à Red Dead, mais si tu veux, j'ai sorti la vidéo YouTube aujourd'hui. On a fait le premier épisode hier. Ou si tu veux check vite fait, il y a quelques passages. J'ai laissé les cinématiques, du coup, tu comprends un petit peu l'histoire. Mais je dirais que c'est un peu comme Assassin's Creed. Enfin, c'est un open world avec les équipements, les déplacements rapides, etc. Un certain Carlos Montero, le chef d'un groupe de fermiers qui veulent reprendre leur terre à l'armée. Mais il refusera de te voir. Pourquoi ça? Est-ce que je mange des ramen ce soir? Non, parce que la soupe, ça va être compliqué. À l'ancienne. Il aime pas les étrangers et fait confiance à personne en dehors de sa famille. Génial. Moi, il y a un point d'exclamation. Dès qu'il y a un point d'exclamation. C'est ton contact. Il est dans son atelier près de l'aérodrome Martinez. Ah, c'est dur de lutter. C'est là-bas le point d'exclamation. Aïe. Oula. Oui, qu'il a sauté dans l'eau, il était pas serein de ouf quoi. Oui, mais ça en vaut la peine. J'ai un jet ski. Wesh, il descend. Wesh, il joue quoi lui? Point d'exclamation, il est où là? C'est ça. Coin de pêche révélé. On peut faire de la pêche. Comment ça va? Est-ce qu'on peut monter ça? Ah, bien sûr que non. Faire le tour comme un bolos là. Bref, moi j'aime ça là. Essaye de trouver un ordinateur. Ils gardent forcément une trace de leurs activités. Ok, je vais inspecter les lieux. J'ai un snap du turfu, ma gueule. C'est pas très discret, là. Oh putain, je suis dans la merde. Fume ton cigare, mon frère. Faut que j'aille plus doucement. Moi j'ai cru que mon. C'est plus facile avec le tank. Ah non, mais vraiment. Hein. Et moi j'ai cru que. J'ai cru que mon snipe était silencieux. Y'a un hélico. Ah ah, bolos. C'est bon. Surveillez votre indice de recherche. Les actions menées contre le régime augmentent votre indice de recherche. D'abord, la présence militaire se fera plus dense. Ensuite, Castio enverra ses forces spéciales à haute poursuite. Ah ouais!
On va y aller chill. Attendez, mon arsenal. Oh, je regarde, est-ce que mes armes ils sont silencieux ou pas? Mais je crois qu'il est archi pas silencieux, mon arme. Ah, je peux pas regarder, faut que j'aille sur un établi, putain. Ça, ça a l'air plutôt silencieux. On va y aller mollo. Est-ce que c'est une caméra? Non, c'est pas une caméra. Ah, il me voit? Ah, il me voit ce bâtard! Merde! Est-ce qu'on va revenir sans souffle? C'est chiffre. Ah! C'est comme ça que je meurs là, comme une grosse merde. Super, allez! Mais en fait, faut que je me mette en silencieux. Je peux pas être. Je peux pas être efficace sans un silencieux, voyons. Oh, on a oublié de faire la prête. Est-ce que je vais mourir ou pas? Ok, on y va en mode ninja, ça vous va? T'es mort du coup, oui. C'est quoi tout ça par terre là? C'est des crabes? Allez, 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 on y va mollo, tout doux loulou. On y va tranquillement. C'est quoi ça? C'est quoi toute cette merde? En fait, faudrait que je monte en haut. Parce que je peux pas monter en bas en fait. Fusil à pompe. Y'a un mec là. Il va où? On est discret, on est discret. On est discret, on est discret. La clé de quelque chose. C'est des méchants, hein? Ah putain, c'est un civil non armé. J'ai rien entendu du bruit. Il est un peu... C'est un carnage qui va être proposé. Faut que je désactive la putain d'alarme. Non. Ah. Appelle pas de renfort, non. Viens me tuer, viens me tuer. Désactiver l'alarme.
Oh putain. Y'a un mec dehors. Ok, c'est le dernier. Ouh, je vais manger, je reviens à toutes. Vas-y, à toutes. Oh là là, le stress. C'est bon, la base, elle nous appartient maintenant. Ça, c'est à nous, ça. Ça, c'est notre cartel, maintenant. C'est fini, là, les petites stations de merde qu'on a capturées la dernière fois. Là, on a une base. Ah, j'ai pas vu, putain, on a même un hélico. Oh, let's go. Bon, non, il y a une caisse qu'il faut que je récupère. Hé, hey, par ici. Qu'est-ce que t'as pour moi, camarade? On m'a dit où trouver un site anti-aérien. Je le marque sur ta carte. Vas-y, balance. Hein. Je t'écoute, mon ref. D'où le coffre, là? Je peux pas aller en bas, là, normalement. En bas, là. Ok. Oh là là, mine d'or. Mine d'or, des bananes. Que veux-tu en voilà? Le mec. Une mitraillette, super. Tout ce que je rêvais. Des pesos, oh là là. Je vois ma vie changer. En vrai, on a clean la zone, je pense. En fait, on aurait dû passer par là. Je pense qu'on aurait dû passer par là. Ça aurait été beaucoup plus discret que de passer. Ouais, voilà, on est encore à l'intérieur. Là, on aurait dû passer par là et tuer tout le monde de l'intérieur. Ah, trophée le barbare là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Danny, je marque un canon anti-aérien sur ta carte. Les fermiers du coin apprécieraient beaucoup que tu t'en débarrasses. Merci. Rien que ça. Alors l'arme principale, qu'est-ce qu'on peut changer là? En vrai, on a que de la merde. Hein. Avec les pesos, tu pourras mettre la daronne à l'abri. Ah gars. Ah, je peux pas le changer en fait. On va garder. Voilà mon petit silencieux là. Ok. Arme principale 2. Ah, en fait, vu que c'est des armes qu'ils m'ont donné, tu peux pas changer le. Ok. Ok, en fait, tu peux pas modifier l'arme que j'ai reçue. Ok. Bon, c'est bien et de la merde en même temps. Putain, what the fuck? Ok. Ça, je peux en changer contre des pesos. Ah ouais, j'ai beaucoup de trucs en vrai. Ok. C'est un petit truc de merde, apparence. Oh, il y a des skins et tout. Oh, c'est trop bien. Ça veut quoi, elle? Change contre des pesos, ah ok. Oh, j'ai déjà assez de pesos, hein, Bélec. Oh, on peut monter dans un lit. Interdiction de voler. Oh là là. Je vais devoir décoller ailleurs. C'est trop lourd. Oh, je kiffe. Oula. Comment je monte? Attention, pilote. Zone d'exclusion aérienne, partez si vous ne voulez pas qu'on vous abatte. Comment je descends? Ah, putain,
Parce que... Ah, il y a ça, c'est pour ça. Bah, on va détruire ça et après on va aller là-bas. Parce que moi, on met pas de coup de presse, moi. Moi, j'ai envie de voler en hélico, je vole en hélico, hein, tout simplement. Faut une gamos, là. Non, je peux chercher ma voiture de fou, là. Merci, ça. Ok. Je vous fais un peu de show. Allez, en route. Votre bolide est en route. Oh. Oh, donne-moi ma caisse. Voilà ton véhicule. Je suis venu aussi vite que possible. Oh, trop mignon. C'était pas créé toute la soirée où il y avait... Rocket League. Non, du coup, là, ça sera... Là, ça sera juste pendant... Voilà, on va couper dans 10 minutes, je pense. Deux mecs là. L'armée conserve une partie de l'uranium appauvri près des sites anti-aériens. Va m'en chercher que je puisse t'offrir d'autres suprémos. Il y a vraiment que deux mecs qui gardent ça. Ces calons, oh, bug. Tu pourras voler comme un oiseau en liberté dans le ciel de Yara. Je crois que c'est Guapo qui est parti là-bas. Hein. En vrai, OZF, hein. Tu sais ce qu'on va faire, on va juste utiliser lance-flamme. Voilà, la dernière fois c'est à one shot hein. Ouais, le truc est solide ou c'est moi là? Je crois qu'ils veulent que j'abatte les mecs. Hein. Y'a plus personne là? Y'a plus que deux mecs non? Ah, faut que je désactive ça, c'est pour ça. Et ça, du coup. Ah, mais c'est bon? Ah, non, c'est pas bon. Bah. Wesh! Pourquoi il veut pas détruire? Bon, je crois que c'est pas un bail là. Je vais prendre ma voiture sinon. On va faire un petit tour ici, mais je pense que je vais prendre ma gameuse en vrai. En fait, c'est ça, faudrait que je passe par des endroits comme ça pour introduire la base. Moi, je passe toujours comme un gros bourrin là. Besoin d'un véhicule. À Yara, personne se déplace à pied. Merci voilà mon sauce. Toi, camarade. Merci beaucoup. Tout le monde, wesh, comment ça va? Ça ne détruit pas là. Si je le fais. Je sais comment je peux détruire le truc.
Je sais comment, attendez, on va tester. Est-ce que je peux tuer les crabes? Oh, ça fait rien. Je sais comment, je vais essayer un bail. Si ça marche, je suis vraiment un génie. Oh, allez gros. Comment ça dit? Oh putain. Vu quoi? Ah mais encore des ennemis. Mais gros, il y avait pas d'ennemis à mon époque là. Quoi? Il y avait plus personne, ça fait toujours je regarde les lives mais j'ose pas parler. Mais pourquoi ça? Pourquoi cela voyons? Voilà. Arrête de bouger, arrête de bouger. Quoi? Quoi? J'ai 4 balles. Je vais essayer un truc, si ça marche, un génie. Oh putain c'est trop loin. Un génie. J'ai cru que j'allais mourir, mais je suis un génie quand même. Voilà, maintenant ça marche. C'est méchant lui ? Non, c'est bon. Ok, génie. On dirait un chapeau. Un crapaud. Votre véhicule est déjà là. Ouais mon véhicule est déjà là mais il est... Il y a mieux quoi. C'est adorable quand vous parlez. Baby, on a une communauté de dingue. Franchement, n'hésitez vraiment pas. Hein. Ah, mais déjà 21h. Oh putain. Bon. La vidéo YouTube, elle va pas être intéressante. Hein. Bon, en vrai, on va faire une petite pause sur le stream. Mais sur YouTube, on ne verra rien. Je vais continuer après, je pense. Histoire que ça tienne au moins encore un petit peu de temps. Parce que là. Là, la vidéo biskin, quoi. Le mec, ça fait 10 ans, il essaie de détruire son truc anti-aérien, là. Donc on se retrouve après pour YouTube, à toutes. Petite reprise de la vidéo YouTube, on avance jusqu'au point. On s'est cramé par tout le monde mais Belek. Ah ouais le mec pas discret quoi. Y'a un mec derrière nous là. Ok, c'est parti. Plantation de tabac. Impossible de scanner le véhicule militaire. Ok. Coucou YouTube, aïe aïe aïe. On est de retour. On infiltre. Attendez, est-ce que le son est pas trop... Non ok, le son est pile poil. Pas d'ennemis ou quoi là? Ok. Cognon. Cette espada, elle plaisante pas. Encore un. Ah, un mec là? Ah, il est déjà mort. Ok, bon, on avance petit à petit. Tout le monde est déjà mort en fait. On va désactiver ça.
Par contre, désactiver ça prend vraiment du temps, hein. C'est abusé. Essayez d'appeler des renforts. On essaye. Est-ce qu'il y a un truc en haut? Tu fais trois fois le tour du monde, sa mission écrit en bas là. Il est un peu à terre le con. Il devrait l'appeler la lame. Pinga. Elle est putain de douée. Gros, on arrive, il meurt. C'est trop là. C'est vraiment trop là, vraiment tout ça pour ça. C'est quoi là-haut? Napoléon El Pequeño. N'avise pas de l'appeler comme ça. Il a fait exécuter des gens pour moi, ça. Quelqu'un derrière la porte? Il a fait une syncope, il a peur de l'arme. Non! Pitié! Oh! Camila l'Espada! Oh, arrête! T'es qui, toi? Qui arrête une arme comme ça, frère? Libertad. T'es Baby Montero? Baby Montero? Ce couillon de fille. Je dois parler à ton père. Clara, elle propose un accord. Le nom de Clara vaut rien par ici. Tu bosses pour Clara Garcia? T'es la fille de Carlos Montero? Pitié, me tue pas. Oh, dis-moi putain. Où est ton lieutenant? Promets de pas me tuer d'abord. Ah, Cayo Villarreal. Cayo Villarreal. C'est l'île privée de Rosé. Satisfaite? Non, mais ça ira. Ah, et lui? Et lui va dire à son patron, Rosé Castillo, que je tuerai tous ses lieutenants, un par un. Pour m'amuser. Les boules? Les deux boules? Et puis je libérerai tous les parias qui fabriquent cette saloperie de tabac. Ça, c'est pour les miens. Et pour finir, il va dire à Rosé que je lui trancherai la gorge. Comme ça, là. Et ça, c'est pour moi. Je ferais mieux de l'écrire, du coup, parce que c'est beaucoup de... Contente-toi de dire à cette petite merde que l'épée le salue. Et dis à tes potes qui sont dans le mauvais camp. Allons voir papa. Oh là là. Moi, je veux de la baston, par contre, hein. On prendra les chevaux dehors. Ok. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres que t'as laissés derrière toi. On va avoir l'armée au cul. Les intrus. Fais gueule, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis vraiment un sniper, hein. Il y a moins bordel, ça sent pas bon. La cible, là-bas. On se casse, hein. Wesh, mon chat, arrête de jouer avec les touches, là. Je joue pas avec toi. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Je suis pas bien là. Le chat il me crie. Arrête de taper sur mes touches, je suis pas avec toi là. Regardez ça, arrête ça. Je suis pas bien. Putain, mon chat, arrête de. Je refais avec mes petits tests. Putain, depuis avant, j'appuie sur les touches, il est là, il fait... Casse la tête. Ah, j'ai le mort, mange-moi aussi. Putain, l'enculé, là. En raccourci, moi, je suis un bonhomme. Oula, j'allais mourir. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres que t'as laissés derrière toi. Ils m'ont pas vu ces bonus là.
Imaginez, vous êtes genre sur le terrain. Et vous voyez vos hommes qui tombent un à un comme ça. Là. Ah, faut que je suive Espada. On va désactiver ça. Ouais, pareil. Elle est où là? Ah, mais elle est en haut, putain, elle m'attend encore. Ça arrive pas dans la vraie vie, ça. Peut-être, hein. Mais gros. Avance! Je pense que si t'es un streamer dingue tout ce monde proche de ta commune, ça pourrait être sympathique de nous proposer de boire un café, un de ces quatre. Tu peux ça là très innocemment. Oh, je suis chaud, hein. Ça me dérange archi pas, hein. Ça va, je vais bien. Oh, on va utiliser ça, hein. Trop vrai. Oh, ça me dérange pas, hein. Attention, calme. Je suis un peu exposé, mais... Wesh, 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 c'est quoi ça? Oh là, je... Ouais. Je gagne des pesos en plus. Ah mais elle est partie. Non 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 non. Fume le cigare, fume le cigare. Lucas, Lucas. Ah, faut que je rentre avec elle en fait. Vas-y, je trace. Je trace pas, je trace pas, je trace pas, je trace pas, je trace pas. Ah, ah. On va passer de côté. Elle est partie en hélico? Viens me doubler. Putain, mais elle est où la porte? Oh, je vais prendre le sniper, je vais fumer. Je vais fumer sa grosse daronne là. Je suis sûr, il est pas touché. Ah, je suis dans la merde. Tout le monde. Oh, l'hélico, il me casse la tête là. On rush, on rush, on rush, nique sa mère. Allez, relève-toi là. Là. Lucas. Je suis caché. Si on me tue, c'est que vraiment il triche. Putain, le move que je viens de faire, j'y crois pas. Coucou Saido, comment tu vas? Oh, mais ce putain d'hélico de merde là. Je comprends pas, le mec il meurt pas, frère. Pas ma
Oh putain, enfin! Oh, horrible! Vu qu'il mourrait pas, gros. Oh, faut que je récupère des corps là. J'ai besoin de moula. Sur quoi pour rencontrer Carlos. Ok, allez, go prendre des chevaux. Allez. Ok, je te suis. Au moins, t'as dit on dit que ça. Mon père va en rentrant dans la pièce, ils ont cru que j'étais en FaceTime avec un pote qui t'a collé dessus comme un enfant. Coucou le papa de Camilla. Ce n'est pas ce que vous croyez, ok? D'accord. Ok. Hop là. Allez. Merde, calme-toi. Demi-toi. T'as rien à craindre. Oh là. Mais gros, elle se fout de ma gueule ou quoi? Vas-y! Ah, faut que je la suive! Vamos! Ah putain, faut que je la suive! Andale, andale! Ah, faut que je tue tout le monde en plus. Le mec est trop fort, il est sur un cheval, il arrive à viser et tout. Multitâche le bouge. Par ici, sous le pont. Vas-y, bisous, moi je vais y aller, ça, histoire d'être en forme pour demain et pas courir par mieux à l'heure comme ce matin. Merci beaucoup, bonne soirée. J'ai pas de vacances avant Noël, ouais pareil. Pareil, pareil. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans l'Ouest, camarade. L'épée et la vedette. Content de vous voir en vie. Tu l'as trouvé sans problème? Ça a été un peu compliqué, mais t'as de la chance, il est doué. Eh ben, vous arrivez à temps. Le chef fait le dîner. Oh, il joue avec Guapo là? Carlos Montero. Allez, papa. Il est vraiment en train de se battre avec un crocodile. C'est vraiment qu'il y a des mecs comme ça dans la vraie vie. T'étais. J'explorais. Mon cul, c'est qui ça? Je m'appelle. C'est pas à toi que je cause. Du calme, papa. C'est Danny, de Libertad. Libertad, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu y bandes pas les yeux? Mais papa, regarde. Ce sont des fermiers ici, pas des guerriers. Tu veux que Chorizo aille faire exploser Napoléon el Pequeño? Hé hey, laisse Chorizo hors de ça. On doit apprendre aux nôtres à être des guerriers, Camilla. Tous les deux. C'est pour ça que je suis là. T'as pas une tranche de guerriero, l'ami. Je vois qu'un touriste. Avec ma dégaine de gentleman, si là. Si le touriste nous baise, c'est ta faute, Camilla. Il t'aime bien. Bienvenue à Finca Montero, la vedette. Allez, Chorizo, on attend pour le dessert. Ok. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. C'était le 3ème épisode, j'espère que vous avez kiffé. On a fait pas mal de trucs en vrai, hein, quand on a une petite coupure entre temps. Mais je vais sûrement que ça sur YouTube, mais en tout cas c'était grave cool. Je vous fais plein de bisous sur YouTube, de toute façon on se retrouve en live tous les jours de 20h à 23h. Et on se dit à la prochaine, ciao ciao.